Bonjour, il m'est arrivé de dire dans des vidéos qu'il faut aborder et draguer des femmes qui sont en cohérence avec soi. Et souvent cette idée est mal comprise, donc je vais expliquer avec un peu plus de détails ici. Si on n'aborde pas une femme avec qui on est un minimum en cohérence, eh ben on va être frustré parce que ça ne va pas fonctionner et ça, on va être déçu et on va rentrer dans une spirale négative. Alors, comment ça marche cette histoire de cohérence? Ce que je veux dire par cohérence, c'est pas une question de physique, et c'est pas une question d'âge, et c'est pas une question d'argent non plus. C'est simplement une question d'attitude et de comportement. C'est-à-dire que l'attitude et le comportement, on peut le tracer sur quatre axes, si vous voulez. Un homme qui va avoir une capacité de séduction élevée, qui va être estimé attirant, c'est typiquement un homme qui va avoir confiance en lui, qui va avoir une intention sexuée qui est forte, qui va savoir prendre des initiatives et que ce soit les bonnes au bon moment, qui va savoir apporter de la valeur à une interaction. Cet homme-là, si il score de façon élevée sur ces quatre axes-là, eh ben il pourra typiquement aborder et draguer les femmes les plus recherché par la société, c'est-à-dire dans la société dans laquelle on vit, on peut le regretter peut-être, mais ce n'est pas le problème, ce sont des femmes qui sont plutôt belles et plutôt jeunes. Donc, si on prend un exemple, je pense à un client à moi, appelons-le Paul, et ben, ce client il a 57 ans et il a envie de sortir avec des femmes beaucoup plus jeunes que lui, des femmes de 25, 30 ans, qui sont qui plus est très jolies. Alors, moi je dis pourquoi pas en principe. De tout temps, il y a eu des hommes de 57 ans, voire plus, qui sont sortis avec des femmes de cet âge-là, des femmes très désirables. Maintenant, je lui dis, sa mission, c'est d'abord d'être en cohérence avec ces femmes-là, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, sur ces quatre axes, bah, il faut qu'il ait confiance en lui, il faut qu'il cultive une intention sexuelle qui est forte, il faut qu'il puisse prendre des initiatives, les bonnes au bon moment de préférence, il faut qu'il puisse apporter de la valeur. C'est tout ça qui fait qu'il pourra accéder à ce genre de femme. Ça me rappelle un peu la citation du regretté Georges Wolinski, qui disait que le dernier privilège des hommes, c'est de pouvoir séduire sans être beau. Et on pourrait décliner cette citation. Pouvoir séduire sans être jeune aussi et pouvoir séduire sans être riche. Le physique d'un homme, son âge, son compte en banque sont des facteurs largement secondaires par rapport à son attitude et son comportement. Donc, pour résumer cette vidéo, pour la mettre en application chez vous, je dirais que il faut être en cohérence, il faut marquer une cohérence entre votre niveau sur les quatre axes que j'ai décrits et le niveau de comment dire la désirabilité des femmes que vous visez par la société, sachant que la société a tendance à valoriser, à tort ou à raison, c'est pas le problème, les jeunes femmes qui sont jolies. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.